De porte en porte, dans le quartier du pont du Routoir à Guyancourt, François Morton, maire sortant de la commune, est parti à la rencontre des habitants pour présenter son programme et sa liste Guyancourt pour tous. Bonjour madame, François Morton, maire de Guyancourt. On vient à la rencontre des habitants, vous pouvez nous ouvrir la porte ? Ce programme, il est prêt puisqu'il a été distribué dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la ville de Guyancourt la semaine dernière, donc dans les 12 000 boîtes aux lettres de la ville. Ce programme, il est issu d'un certain nombre de constats qui ont été effectués durant tout le mandat dernier, mais aussi, et bien évidemment, du travail qu'on a pu faire en collaboration avec les habitants lors de nos ateliers citoyens du mois de novembre. Un programme proposé en trois grandes parties, tous citoyens, tous solidaires et vivre tous ensemble, avec 12 thématiques et une centaine de points précis, comme la construction de logements adaptés à tous les revenus, l'extension de la faculté de médecine sur la commune ou encore la rénovation de nouvelles voiries. Certaines sont tout à fait transversales, comme par exemple la transition écologique, dans toutes ses dimensions d'ailleurs, environnementale, mais aussi sociale et économique. Alors, vous avez la tranquillité publique, vous avez l'éducation, bien évidemment, qui reste un pilier fort de notre programme. Et puis, toutes les questions sont abordées en n'en éludant aucune. Le programme est à retrouver dans les boîtes aux lettres. En attendant, François Morton donne rendez-vous au Guyancourtois le 3 mars prochain pour une nouvelle réunion publique.